Oui, alors on va poser justement la question à un élu, c'est Benoît Simion, hein, qui est député de La République En Marche de la Gironde et qui est président surtout du groupe d'études route et sécurité routière à l'Assemblée nationale. Bonjour. Bonjour. Vous avez entendu Véronique Jacquier, vous avez vu le bilan dressé hier par Édouard Philippe. Est-ce que l'on va vers cette solution ou pas justement de limitation de vitesse à la carte ? Écoutez, ce que réclament nos concitoyens et les élus locaux, c'est un changement dans la méthode. C'est valable pour ce sujet des 80 km/h, mais c'est valable pour d'autres politiques publiques. Oui. Il s'agirait de donner le pouvoir de décision au territoire et quelque part de rapprocher le citoyen, en effet, de la décision. Et il me semble que tout cela redonnerait du sens à la démocratie qui, aujourd'hui, est en difficulté. Nous sommes dans une période particulière. Et moi, je le réclame en tant que président du groupe d'études routes et sécuritaires routières de l'Assemblée nationale depuis maintenant près d'un an. Oui. Laisser le pouvoir aux maires pour les routes communales, aux départements pour les routes départementales et aux préfets pour les routes nationales. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui connaissent mieux que quiconque le réseau, la dangerosité du réseau, la qualité du réseau qui se dégrade. Et ça, personne n'en parle, mais... on a un réseau qui se dégrade fortement en France. Donc c'est tout simplement une mesure de bon sens. Et puis, à l'heure où nous voulons baisser la dépense publique, il faut à un moment donné responsabiliser les territoires. Ouais. Voilà, donc c'est une mesure... Là, on l'a vécu comme une mesure technocratique, arbitraire. Et moi qui suis un élu girondin, ancien maire en Médoc, c'est clairement ce qu'il ne faut pas faire en termes de méthode, une vision technocratique, une décision arbitraire qui a été imposée depuis Paris. Et ça, aujourd'hui, la démocratie est à bout de souffle. Oui, mais Benoît Simion, là, vous allez un peu contre votre Premier ministre, qui, lui, voudrait plutôt maintenir ce 80 km/h sur tout le territoire. Et il dit, on a épargné 116 vies, au passage, depuis le 1er juillet, en tout cas l'année dernière. Écoutez, d'abord, gagner la bataille de la sécurité routière, on est tous d'accord, ça doit être une priorité. Moi, je ne rentrerai pas dans une bataille de chiffres, surtout après 6 mois. D'ailleurs, en Nouvelle-Aquitaine et en Gironde particulièrement, mes chiffres ne sont pas bons. Bah oui, c'est ça. C'est ce qui est d'ailleurs assez étonnant, hein, parce que quand on regarde dans le détail, dans beaucoup de territoires, on s'aperçoit que les chiffres ne sont pas bons et on arrive quand même à un bon chiffre au niveau national. Ça, c'est assez étonnant. Écoutez, moi j'ai demandé il y a 10 jours les chiffres au délégué interministériel à la sécurité routière Emmanuel Barbe. À l'heure où je vous parle, je les attends toujours. Oui, c'est ça. Donc, vous n'êtes pas complètement convaincu par ces chiffres, hein, Benoît Simion. Et ce que vous réclamez, c'est que... Je ne vais pas remettre en cause des chiffres où là, il n'y a pas de sujet. Mais je pense que c'est dans la méthode. Et c'est vraiment typiquement... ça a été vécu comme une mesure arrogante, décidée par l'élite parisienne. Et aujourd'hui, l'adaptation locale de la vitesse, ça serait tout simplement un geste significatif de décentralisation et un message vis-à-vis des territoires, et notamment les territoires ruraux. Oui, merci en tout cas Benoît Simion, et nous allons en débattre tout au long de ce grand matin, Benoît Simion, sur Sud Radio, avec cette question, est-ce qu'il faut des limitations de vitesse à la carte ? Ce sera notre grand débat à 9h avec beaucoup d'invités, et vous pouvez immédiatement réagir. Qu'est-ce que ça donne sur les réseaux sociaux, Véronique Jacquier ? Eh bien, du côté des votes, faut-il des limitations de vitesse à la carte ? Les auditeurs de Sud Radio disent oui à 61%. 61%, donc il y a du débat, beaucoup de commentaires, allez-y, et vous prendrez la parole tout à l'heure en direct à 9h sur Sud Radio Cécile.